Cette formation, elle est née de mon envie de faire partager mon expérience à un plus grand nombre de personnes. Parce que dans mon expérience de professeur et de directrice d'école de musique, je rencontrais souvent des parents qui venaient me voir en disant, bon, mon enfant, il a envie d'arrêter la musique, par exemple, et je ne sais pas trop comment faire pour l'accompagner, pour lui donner de nouveau l'envie de pratiquer son instrument. Et je me suis aperçue qu'en prenant cette question plus en amont, en accompagnant les parents qui voulaient aider leur enfant à rester motivé, eh bien, on avait des enfants qui pratiquaient avec plus de plaisir et qui restaient motivés beaucoup plus longtemps sur le long terme et qui partageaient aussi beaucoup plus de choses avec leurs parents. Voilà, la musique devenait un élément important de la vie de famille et c'est aussi ça qui contribuait vraiment à ce que l'enfant ait envie de continuer pendant plus longtemps. Et j'ai voulu que cette formation, elle soit accessible à tous les parents, qu'ils soient musiciens ou pas. Parce que bah, notamment il y a beaucoup de parents qui n'ont jamais fait de musique, donc qui savent c'est un univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Il y a aussi des parents qui ont fait de la musique et puis ça s'est pas forcément bien terminé. Et puis il y a aussi des parents qui font de la musique et qui ont envie, qui jouent pas forcément le même instrument que leur enfant d'ailleurs, et qui ont envie eh ben, d'accompagner ces moments-là. En tout cas, ça s'adresse surtout à des parents qui s'investissent vraiment dans l'apprentissage de leur enfant, dans l'éducation artistique, musicale de leur enfant, mais pas forcément pour en faire un petit virtuose, mais pour accompagner leur envie, l'envie de leur enfant de faire de la musique et de s'amuser, de s'éclater. Donc ça s'adresse vraiment plutôt à des parents qui ont envie que leur enfant s'épanouisse dans la musique. Et en tout cas, je m'adresse à des parents qui ont envie de tester de nouvelles choses, de s'impliquer dans cette aventure, de prendre du plaisir, en famille à pratiquer la musique et à être prêts à se remettre un petit peu en cause. Dans cette formation, il y a à la fois, donc c'est pas mal sous forme de vidéos, il y a à la fois des vidéos de conseils, il y a des vidéos qui montrent beaucoup d'exemples concrets. J'ai aussi interviewé pas mal de spécialistes, notamment dans les domaines, par exemple, de la psychologie positive, des pédagogies actives, comme voilà, des pédagogies comme Montessori, par exemple, comme Au Passo. Et j'ai fait en sorte que toutes ces pédagogies-là, ces approches-là, elles soient rendues accessibles à des parents non musiciens ou musiciens. Et surtout qu'elles puissent être appliquées à l'apprentissage de la musique. Par exemple, si on parle de Montessori, comment appliquer cette approche dans la musique? Donc avec ces vidéos, on va balayer un petit peu tous les questionnements que peuvent se poser les parents. Donc ça va de comment choisir un instrument, comment choisir un professeur, jusqu'à comment aider mon enfant à se produire en public et comment faire pour que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. En fin de compte, cette formation, c'est aussi comment faire en sorte que la musique fasse partie intégrante de l'univers de l'enfant, de l'univers familial, et que ça reste un jeu et que ça reste un plaisir. Et elle permet aussi à des parents de se rencontrer, de communiquer, donc par le biais notamment d'un forum, des commentaires, etc., et de partager un petit peu leurs expériences, de poser leurs questions. Et moi, je suis là évidemment pour y répondre. Comme je suis sûre que ça va vous intéresser et qu'il y a déjà eu une première vague de parents qui a participé entièrement à la formation, qui s'étale à peu près sur une période de 6 mois, mais il y a certains parents qui ont laissé des témoignages et je vous invite à aller les regarder.